Wow, putain les gars, mais lui il fait une marche arrière, il s'est mis comme, et toi tu, wow, mais qu'est-ce que tu fais toi aussi? Oh là là, mais qu'est-ce que vous me faites? Vous êtes tous hyper chelous. Je comprends rien. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Enfin, wow, mais toi tu te prends le dos d'animé. Mais les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, je vais pouvoir commencer la vidéo ou comment ça se passe? Salut tout le monde, c'est Brigola. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme d'hab, comme toujours, mais là on va parler d'un sujet. Ah, c'est sûr que toi si tu mets pas, voilà, c'est déjà si tu sais. Voilà, c'est déjà si tu sais. What? Si tu mets pas ton vieux temps pour aller à droite, tu vas pas aller bien loin. Alors voilà, aujourd'hui je vais parler d'un sujet assez sensible, on va dire. Genre ça va, là on va dire c'est une vidéo un peu spéciale. Bon déjà il y a l'article 13, mon pote c'est la merde. Clairement c'est un skip, c'est la merde. Je vais faire une vidéo un petit peu sensibilisation, si tu vois ce que je veux dire. Alors ouais, d'un côté je suis mal placé pour la faire, parce que je suis pas du tout un exemple en termes de conduite. Bon déjà, ce qui est super important en moto gros, c'est l'équipement. L'équipement c'est ta protection. C'est, t'as pas ça, eh ben ouais, t'es un peu dans la merde, on va dire. Toi tu t'es avancé, je sais pas ce que tu m'as fait. Bref, allez, tu peux avancer. Hein. Ma, tu fais un demi-tour énervé en plus. Oh alors toi, ma. Bref. En plus, le pire c'est que c'est un rond-point, donc c'est. Oi. Bref, l'équipement c'est super, mais. Wow. D'accord. L'équipement c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est ta seule. Tu veux dépasser? Vas-y, dépasse, fais-toi plaisir. C'est ta seule protection, quoi. Genre, t'as un accident, mais il n'y a pas ton. T'as pas de carrosserie, t'as rien, Bon. T'as que chi, walou, nada, genre, t'as rien en fait. L'équipement, c'est super important. C'est super méga, genre. Équipez-vous. Genre, ça fait 8 fois que je le dis, mais gros, t'as pas de casque. Enfin, si, t'es obligé d'avoir un casque, sauf si t'es un ouf, tu vois. Mais t'as pas de gants, t'as pas de blouson. Bon là j'ai mis le pantalon et les chaussures parce que ouais, on n'est pas tous parfaits, tu vois ce que je veux dire, mais genre je vais pas faire un. Je vais pas faire le ouf en gros, genre même si je sais très bien qu'un accident ça arrive. Après quand je sors avec mes collègues, on va dire, mes potes, tu vois, genre que je sais qu'on va faire un peu les cons, bah là gros je mets full cuir, les bottes, le pantalon, tu vois, je m'équipe en condition pour. Mais quand je sais que voilà, je vais pas très loin. Enfin bref, voilà, c'est l'équipement, c'est vraiment vraiment important, tu vois. Genre il y a pas longtemps, il y a un youtubeur qui a eu un accident, Volsey Rider, je sais pas si vous Volsey Rider. Waouh, oui, j'arrive pas à le prononcer, je suis désolé. Tu m'as compris qui c'était. Mais il a eu un accident avec la moto de sa copine et le mec il était équipé, tu vois. Mais tu vois, il avait une dorsale en plus de son blouson de moto. Et donc pour te dire, mais il a été arrêté pendant, je crois, un gros mois, j'ai suivi un peu, il a été arrêté pendant un bon gros mois. Et clairement, ce qu'il a sauvé, à ce que j'ai compris, c'est la dorsale en plus qu'il avait rajouté. Donc c'est clairement, mais l'équipement, en gros, si t'as pas ça, t'es fini, t'as un accident, t'es fini, que ça soit à 30 km/h, 50, 60 et au-delà, c'est sûr que si t'as pas d'équipement, t'es... Si t'as de la chance, si t'as de la chance, tu vois, mais si t'as pas de chance, t'as pas de chance. Clairement c'est chaud. Alors ouais, voilà, je vais y revenir aussi sur le sujet. Voilà, je suis pas du tout, mais du tout un exemple en termes de conduite. Je fais souvent le con dans mes vidéos précédentes, tu vois, mais depuis que cette personne m'a contacté, parce que voilà, il y a un de mes abonnés qui est décédé malheureusement. Il s'est fait un frontal avec une autre moto. Et je vais en revenir par la suite. Eh ben tu vois, ça m'a un peu calmé sur tout ce qui est vitesse, surtout. Et en plus que j'ai eu mon contrôle de police où j'ai perdu 3 points et 90 euros, tu vois. Ça calme ce genre de choses, ça. Donc ouais, les vidéos qui vont suivre, c'est des vidéos que j'ai tournées il y a hyper longtemps, donc j'étais vraiment con à cette époque-là, tu vois. Donc mais maintenant je fais gaffe, je respecte, je roule doucement, je tranquille. Bon, elle va être super longue cette vidéo, je suis désolé, hein, je l'annonce. J'ai au code, voilà, c'est le seul chiffre qui m'est resté en tête. On est 2% sur la route à rouler. En gros, on fait partie de 2% du trafic, mais on est près de 20% des tués, des accidentés, des blessés graves, en gros. Donc t'imagines un peu, genre, si tu fais un peu le calcul, bon, moi je suis pas en maths, j'ai pas de cahier, j'ai pas de. Bref. Mais c'est juste énorme. Mais s'il vous plaît, faites attention, quoi. J'ai pas trop envie qu'il y ait encore une. La copine d'un de mes abonnés, tu vois, parce que c'est sa copine qui m'a prévenu.
qui m'envoie un message en me disant voilà, il te suivait, il kiffait tes vidéos et malheureusement il est parti. Ça, tu vois, déjà, tu vois, j'ai reçu un message comme ça, mais j'espère que ce sera le dernier. J'espère vraiment, mais de tout mon cœur, que ce sera le dernier parce que quoi, quand je reçois ça, elle m'avait écrit un long message. Je vous en parlerai par la suite, tu vois, mais ça, ah, ça te fout un coup, hein. Ah, mais vraiment, c'est. Et c'était la flèche, était rouge, hein, donc. Tac, tac, tac. Attends, parce que. Ouais, attends, j'ai tout droit. On est où là? Là, on est où? Les grues, rond-point, tout droit, ok. Alors voilà, il s'appelait Dorian, il avait 20 ans. Il roulait en Kawasaki R6 Sen, je crois, ouais, c'est ça. Il venait de l'avoir depuis juillet. Voilà, il est parti le 30 septembre. Et il l'avait depuis, depuis début juillet. Donc, moi, je pense pas que c'est une erreur de conduite ou un manque de conduite. Ouais, c'est pas là, il y a eu un accrochage là. C'est juste que malheureusement, il a fait un dépassement, il a pas eu de chance. Donc, on remet les choses en contexte. Il était sur une route de campagne, tranquillement, il roulait à une allure normale, on va dire. Et en fait, il arrive et à un moment, il se retrouve derrière un camping-car. Et bah, il avait la visibilité, hein, il avait tout était nickel pour dépasser. Et sauf que il dépasse, il met son clignotant, angle mort, pop, il dépasse. Et là en fait à ce moment-là en fait, au moment où il dépasse, salut à toi, il y a une moto qui vient qui arrive devant lui, mais sauf que t'as pas le temps, tu vois, je sais pas, en route de campagne, tu maintenant on roule à 80. Pour dépasser, t'es à 90-100, tu vois, dans ces eaux-là. Et déjà à 90, déjà à 80, un choc, c'est pas mal. Alors à 90-100. Après, je sais pas du tout à quelle vitesse il roulait, mais par expérience, on va dire. Je sais très bien que t'accélères un peu plus pour doubler, c'est ce qui est logique en fait. Hop. Merci beaucoup, vous êtes vraiment adorable. Ah ouais, non, toi ça va être chaud. Ça va être chaud. Bref, et du coup, voilà, il avait 20 ans, ça faisait 3 mois qu'il avait son permis. Donc, c'est juste que, voilà, il a vraiment. Dans son dépassement, il a pas eu de chance, merci. Et malheureusement, et voilà, il est parti trop tôt. Je fais cette vidéo aussi pour sa famille, pour son entourage, sa copine. Pour vous aussi, pour vous sensibiliser d'une part, parce que. Il m'avait déjà contacté par Instagram parce que un soir je suis allé à la comédie avec ma moto, j'avais garé à côté de l'ancienne opéra et lui il s'était garé à côté de moi, il avait reconnu ma moto. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs. Et du coup il avait reconnu ma moto, il m'avait envoyé un message sur Snap, sur Insta, en me disant ouais voilà, je suis garé à côté de toi, ça m'a fait trop plaisir de voir ta moto. Tu vois le mec il était. Tu sentais que le mec il était bien. Mais sauf que voilà, le pire c'est que malheureusement j'ai pas pu le rencontrer. J'aurais vraiment, mais vraiment aimé le rencontrer. C'était parce que sa copine, voilà, elle est venue me parler et je la remercie d'ailleurs parce que c'est pas facile de perdre son copain, de parler à un mec que tu connais même pas, elle me connaissait même pas à la base, tu vois, mais elle a réussi à faire la démarche parce que si elle était pas venue me parler, ah, j'aurais pu essayer de lui envoyer plein de messages parce qu'en plus. À chaque fois que je voulais faire une balade, il pouvait pas. Quand lui, il voulait sortir, moi, j'étais pas disponible. Tu vois, on n'arrivait jamais à se caler. Et ça, c'était chiant. Et clairement, ben voilà. Du coup, ouais, je la remercie de m'avoir prévenu parce que sans elle, clairement, j'aurais pas su qu'il serait parti. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je fais une vidéo un peu pour lui. Pour, voilà, parce que ben, je trouve ça normal. Tout ce que je peux vous dire, c'est faites vraiment gaffe à la route. Autant les motards que les automobilistes, parce que je le sais très bien, je le redis, je suis pas un exemple en termes de conduite, je suis vraiment pas un exemple, mais faites vraiment gaffe, merci, parce qu'il aurait pu passer en fait. Donc voilà, c'était cette vidéo, je vous la fais pour vous sensibiliser un peu, parce que ça me tenait à cœur d'un côté, parce que voilà, c'est quelqu'un que avec qui j'ai parlé, j'ai pas pu le voir en vrai, mais ça m'aurait fait plaisir de le voir. Parce que je sens que c'était un bon gars, tu vois, il était vraiment par message, on rigolait, tu vois, il était vraiment marrant, mais malheureusement là, j'étais pas échéant, donc voilà, c'est. Si vous voulez dire un petit mot à sa famille ou quoi, je peux pas vous donner leur adresse, ou enfin pas leur adresse, mais leur. Comment ça s'appelle? Leur truc Instagram ou Facebook, tu vois, ça c'est personnel. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que.
ils vont lire les commentaires. Ça, je le sais parce que je vais leur dire déjà. Donc, si jamais vous voulez écrire, toi t'en clignotant, bien sûr. Si jamais vous voulez écrire un petit mot à sa famille en commentaire, je vous y oblige pas, franchement, les commentaires, like, partage, abonne, ça je dirais jamais, abonne-toi, fais ci, fais ça. T'as envie de le faire, tu le fais, ça fait plaisir de m'envoyer un message, fais-le, tu vois, mais je dirais jamais de t'abonner, vas-y, abonne-toi, non, ça c'est... Je peux pas, tu vois, personnellement, salut à toi, je peux pas faire ça. Donc clairement, voilà, en tout cas, sa famille, elle va lire les commentaires, si tu veux écrire un petit commentaire, écris-le, ça leur fera très plaisir, même à sa copine, à ses amis, à tout ça. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo, elle vous portera conseil. Et voilà, c'était Paika, je vous fais de très très gros bisous, prenez extrêmement soin de vous. Mais voilà, faites gaffe. Et toi, sans clignotant, bien sûr. Bon, bref, c'est j'ai l'habitude. Enfin bref, c'était Paika. Si j'ai oublié un truc, je suis désolé. En tout cas, ça m'étonnerait. Je veux juste, voilà, que vous fassiez attention, que cette vidéo vous porte conseil. Et voilà, c'était Paika. Je vous fais de très très gros bisous. Et à la prochaine. Ciao, ciao.